J'ai envie de te dire, regarde-moi dans les yeux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je te dis bonjour à toi et à tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la ferme du pain. N'hésite pas à mettre un like à la fin de la vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite une bonne vidéo. Yo les gens, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ferme du pain. Ça faisait longtemps qu'elle avait pu tourner et ma caméra va dans tous les sens. Bonjour à Jojo Lapin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mister Allon. Bonjour à Andy. Salut. Et moi oui. Oh, bonjour à Dylan. Yo yo. Non, on n'est pas sur FIFA, il n'y a pas trop de branlés qui se perdent, tout va bien. Et le dernier, vous le connaissez, dans sa vieille TX toute pourrie de la mort qui tue. J'ai nommé Monsieur Pépito. Oui, je vends deux putes. Bonjour Monsieur Pépito. Et nous sommes aussi bien évidemment en compagnie de Mister Wallon. Ouais, Mister merci, Wallon, merci, bonjour. On s'en fout, vas-y. Ouais, c'est pas ouais. Ça. Donc aujourd'hui, Monsieur Pépito, on est nombreux sur la map. Donc Monsieur Pépito va aller au champ 27 faire du blé avec sa nouvelle TX qu'on a mis. Et t'arrêtes d'insulter comme ça. Avec la nouvelle TX qu'on a mis sur le serveur. Jojo et Dylan, enfin Jojo et Andy, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le stream d'il y a peut-être 3-4 semaines, on a moissonné le champ 1, donc je l'ai pressé et il faut qu'il aille ramasser les bottes. Et j'ai semé le champ 4, 13 et 14, enfin Jojo a fini, en herbe. Et où la sortie tout droit. sauf si tu peux te prendre plein de poux dans ta boisson. Et Dylan, lui, va aller les faucher tout simplement. Et moi, je vais tester nos nouvelles achats. Donc c'est vrai qu'on a changé pas mal de modes sur le serveur. Nos nouveaux achats. Voilà, donc j'ai mis la nouvelle presse comme j'avais dit que j'allais vous montrer, la Gallic Nani. Ça a 9250 au cul du magnifique T660. Je vous montre un petit peu dans le shop, dans le garage. Donc voilà, le T6, il est où mon petit T6? Bah, il est où, bordel de pute? Voilà, il est là, Yolande T6 ici, avec la magnifique presse Gallic Nani qui fait des magnifiques bottes. Je vous montre un petit peu pour la régler. Après, vous allez voir, la texture des bottes est simplement magnifique. Hop, donc regardez un petit peu. Magnifique, pour défaire le frein à main, c'est la touche 7, voilà. Tout est animé, joystick, inverseur, pédale et tout. Donc nous, on est parti là-bas. On va enlever l'alt-H parce que moi je l'enlève. Hein. Ah, je oui. Moi j'ai dit que j'enlève. Moi aussi. Ouais, je sais. Il peine, chef. Hop. Donc on va aller faire le champ là-bas. Là-bas. Ça va, papy? Je crois que j'ai la poisse. Pourquoi? Déjà enfoncé, tu sais. Oh, il y a des problèmes. Attends, je fonce. Attends, il y a des problèmes à la sortie. Bon, j'aurais mieux fait de faire le tour, tu sais. Pied. Ah. Vous allez voir, cette presse est tout simplement magnifique. Ah, mais là, je crois que t'es bloqué dans les. Bon, moi, je vous laisse, hein, les potes, salut. Hein. À la prochaine. Attends, je me débloque. Attends, je vais te pousser un gars. Oh, ouais, il se débrouille, hein. Moi, je vais déjà préparer mes tas de bottes parce que. Donc, on a toujours le bug, le magnifique bug du champ. Oh merde, il faut que je suive Pépé. Bon. Donc, qui vous fait mal aux yeux, je sais bien, il faudra qu'on le déchaume un de ces jours. Vas-y, go. On a préparé la partie. Merci. Tout à l'heure. Donc il est sorti il y a pas longtemps sur l'excuse T6, il est vraiment cool. Donc moi je vais avec Pépi. Oh, putain, il met plein gaz mon T6, putain. Il a le punch, en tout cas il est réactif. Hein. Bon, hop. Bon Pépi, je te suis. Je crois que je vais juste. Hein. Ah non. Pas du tout en fait. En fait, pas du tout. De quoi? Non, rien. Putain, vous êtes gouré pour aller jusqu'au champ qui est juste à côté de la ferme. Non, c'est lui. C'est lui. Arrête, mais arrête de mentir. Eh, ça va, t'as l'avance ton bordel ou quoi? Ouais, t'inquiète. Tu sais que moi j'arrive même. Tu sais que moi j'arrive même pas à te suivre. Ah si. Non. Donc hop, ça fait longtemps qu'on avait pu tourner, mais c'est vrai que la dernière fois qu'on avait tourné, il y avait 3 personnes, là on est 5. Normalement il y avait Fab qui devait venir, mais il est pas là pour tous les petits soucis familiaux et puis ça devrait le faire. Attends, ah voilà. Ah ouais, non mais t'as aussi la route que c'est, moi j'y pourrais hein. Ça c'est de la map, hein. Putain, on s'en boum là. Va te faire foutre. C'est juste, c'était le champ 1, non? Oui. Tout ce que je sais, c'est que mon frappe s'il a de nouveau pété un câble. Ah. Hashtag retour Windows. Non, c'est mes FPS qui disent merde. Bah, de temps en temps, il fait ça en fait. Non, là, ça va mieux de temps en temps. Allez, je te follow, petit Pépi. Pépi. Donc on a mis pas mal de nouveaux matos sur le serveur, hein, donc le Newland, la presse, la moisseau, on a acheté de nouveaux véhicules comme le Dutch, le Telesco, on a vendu le Merlot, on a acheté le Scorpion, la foule, les faucheuses, enfin on a renouvelé un petit peu le matériel on va dire, vu que c'est une carrière cheatée on s'en fout un petit peu.
C'est vrai que ce moment-ci j'essaye de faire vraiment pas mal de vidéos, enfin. Parce qu'après je vais partir une semaine en vacances, comme ça vous aurez au moins 2-3 vidéos de la semaine. Avance. Eh hey, elle monte à combien ta moisson? J'ai l'impression que tu traces avec. 26. Putain. Bon ouais, moisson ça monte à 20. 21. Ouais 20, 21, tu sais, histoire de. Donc moi j'ai le champ ici à faire. Et Pépi lui c'est le champ d'après qui est pas moisson. Hop. Pourquoi t'as rien dénné en fait Jojo? C'était dégueulasse. Ouais mais il fallait pas rendre d'année. Pas... Ouais il y avait juste une virgule en plein milieu mais ça c'est pas grave. Ouais voilà, je me suis dit que ouais mais c'était pas professionnel. Franchement bah, c'était horrible. Le but c'est pas que ce soit professionnel. Ouais non mais quand même. Ah ouais ouais voilà. Donc vous pouvez voir on peut régler la taille des bottes hein. Bon les 60 c'est pas supporté par cette presse et les 180 non plus. Vu que la presse est assez petite. Du coup on va faire des 160. 140 ou 160 Pépi tu me conseilles de faire ouais, 140, 160. Ah Pépi. C'est toi qui vois. Hein. On va voir un petit coup la taille des 140. Vous allez voir quand je vais la mettre en route, regardez. Donc avec ici vous descendez, vous pouvez ouvrir avec R, O et X. Vous pouvez ouvrir les trois ici cadrans. Vous allez voir quand je vais la mettre en route les amis, ça va tout va être animé ici. Vous allez voir. Regardez, tout tourne. Hop. Même la prise de force ici tourne. Alors oui, au début quand vous l'achetez, vous n'avez pas le plein de ficelles non, ici. Lâche. Il faut que vous alliez. Vous voyez au truc où il y a les semences. Et vous reculez où il y a les semences, vous descendez de la presse et là vous allez avoir un bouton et ça va être R et vous pourrez l'acheter. On a testé avec Jojo tout à l'heure. Il faut appuyer sur R, ça ouvre le et c'est B pour acheter, non? Le cash, puis après il faut appuyer sur B pour appuyer. Ouais. Et ça coûte, il me semble, 165$. Donc voilà, donc là on va réappuyer sur R, X, O. Voilà, donc ça va tout refermer. Le tracteur, il met plein gaz. Vous avez vu, la presse est activée, on est bien en 140 et là on est parti normalement, mon kiki. Hop, regardez, là même la poussière, la comment ça rentre dans la presse et tout, c'est tellement bien fait je trouve. Donc ici il y a le pick-up hein, qui peut se bourrer bien évidemment. Presse est vraiment la plus belle de farming je trouve, vraiment bien faite. Du coup on va l'enlever, ah mais si j'enlève la tâche du coup je verrai plus. Aïe, ah, je peux peut-être, comment, c'est quelle touche pour enlever juste la map en fait 4, ah ouais, voilà. Pourquoi le temps il est en face 5 hein. Ça va pas le faire. Voilà. Donc on va voir là, on va faire notre petite botte 240. Ça va Pépi, t'as réussi à rentrer dans le champ? Ouais ouais, nickel. Donc là notre botte 240 va être faite. Hop là. Hop, alors oh. Ah je pense des bottes comme ça, franchement ce qu'on fait en vrai ça peut être stylé hein. Par contre j'ai jamais compris pourquoi les bottes dans farming c'était comme si c'était du carton, mais c'est pas grave. Et on repart. Ouais, des bottes de 140, ça va le faire. On va lâcher vraiment pas mal de bottes. En plus avec ce... Ouh, putain, le pick-up a failli du bruit. En plus avec ce magnifique Newland. Vraiment très très propre. Ouais. À la presse, elle est stylée quand elle est sale, Pépi, putain. Hop là. Sinon, vous avez trouvé le champ? Ouais, ouais, c'est bon. Et Dylan, tu es en train de faucher, là? Ah ouais, impeccable depuis tout à l'heure. Nickel chrome, les gars. Ça, c'est du professionnalisme. Ouais, enfin j'ai peur que le John Deere il tire pas le plateau oh, en plein. Oh, ça devrait le faire quand même, non? 13 km/h. Ah, non, on bouge pas. Bon, on va aller pour arriver jusqu'à la ferme, non? Hop. Au pire, je te pousse non, là. Non. Ma botte est faite. Bah, je te pousse. Vous avez vu donc la texture des bottes, comment elle est stylée? Enfin, toujours voir la même, là ça change un petit peu, c'est vraiment stylé, je trouve. Regarde, que c'est vraiment plus réel. Parce que c'est vrai que des presses à fil, on n'en avait pas encore vu. Oh là là. Enfin, des presses à. À corde, à ficelle, on n'avait pas encore vu, c'était toujours des presses à filer, mais. Oh, vraiment la poussière et tout, vraiment super bien fait. Et Pépi, sac, putain, tu moissonnes à combien, wesh? 10. Mais t'es un malade mental. Bah, j'ai pas un, moi. Moi, ça, elle va à fond, tu sais. Elle carbure. Bah, c'est pour moi, hein, c'est le régulateur, il est. Ouais, ouais. Pour la baisser, hein. Bouge pas. Voilà, du coup, le T6, c'est un 160 chevaux. Tu peux la baisser, le régulateur, non? Ouais, si tu veux. Bah non, mais je fais avec la gâchette, tu vois. La presse, elle demande combien de chevaux? Elle en demande 120, tu vois. Donc on a assez juste de toute façon. Ah merde, bah, il avance plus du coup. Ah. Il en peut plus en monter, à monter mon tracteur. Monter est trop forte pour lui. T'en recharges ou pas? Non, non, la dernière, je la prends comme ça. Les gars, j'ai peur parce que mon autre botte, elle s'est barrée où en fait? On en sait rien. Oh, bah dis pas qu'elle s'est barrée dans l'eau. Bah elle s'est barrée où? Il y avait une autre botte ici, elle est où? Wesh! Je vais prendre un tracteur un peu plus gros pour après. Ouais, peut-être. Je vais remettre le gyro.
Bon, Pas besoin très d'aide, bien. je te pousse ou L'autre bien la botte elle montée s'est là? volatilisée mais d'une Vas-y, hein. violence. D'accord, je Ou vais alors je pousser. suis T'as aveugle. bien poché les bottes? Ouais. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va essayer de la... Ouais, ça... Bon, vous savez quoi, on va la lâcher, on s'en bat les couilles. Hop. Bon, de toute façon, il va être fait le ballot. Voilà. Il nous faudrait une benne. Bah ça va mieux. Voilà le... Ah, le panneau, il s'ouvre à chaque fois, d'accord. Mais faut que t'ailles chercher la benne, pépé, je te l'ai dit au début. Oh, vas-y, tant pis. Oh, regarde la boîte, comment elle se bat. J'ai la flemme. Bah si, elle est à la ferme, Attends. pépé. Faut que t'ailles la chercher. Un dit, il peut te la porter. Oh, oh, mais il a oh, juste à switcher, mec. Ça va prendre 10 ans. Regarde, la boîte, elle s'est barrée, elle a l'impression dans l'eau, tu sais. Bref, on va non, aller elle la s'est chercher arrêtée là. autrement. Sérieux? Bah, je trouve pas l'autre, en fait. Quelle idée de faire des T'es boules comme bloqué ça là? dans une montée aussi. Oui. Bah en réalité mec tu fais ça y'a aucun problème hein. C'est juste Bah que en peux rien réalité faire. tu potes des bottes Si comme ça dans un champ comme ça. Si si. Non. Bah si mec. Parce qu'en Ouais bien réalité les sûr. bottes, Et quand bah oui. que tu vois ça là. Bah mec je sais pas mais en réalité les bottes c'est pas du carton hein. Je sais bien nous on le fait En vrai quand tu lâches la botte elle roule, elle fait 2 mètres et puis elle s'arrête hein. Attends, on a de passer de l'autre côté. C'est lourd une botte hein. Dans Farming c'est du De carton. quoi? On aurait dû passer de l'autre côté. Pour. Là on va être bloqué dans le trou. Ah. Eh vas-y avance. Tant pis on t'as fera demi-tour. Je voulais passer par là. On fera demi-tour. Ouais je te pousserai. Ouais au pire. Hop là, donc. Que je le passe ballot au fond est de balle. Fait, on le lâche. Non, en vrai c'est une bonne taille 140. Faut juste le bloquer, regardez. Parce qu'en réalité tu lâches le ballot, t'inquiète pas qu'il va plus bouger comme ça, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Alors en fait dans Farming le ballot tu pousses dedans, il va s'envoler tellement et c'est léger en fait. Il devrait faire un vrai poids de ballot. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça mais c'est complètement débile de pas avoir fait ça. Bah tu vois, chez nous voilà on a sur au-dessus de ma terrasse j'ai un talus de 50-60 mètres. Ouais. Puis il est vraiment pentu. Juste au-dessus t'as la colline, puis là ils font les foins. Ouais. Et justement, bah nous il y a pas si... enfin, il y a pas si longtemps, il y a quand même 10 ans là, il y a un ballot qui était arrivé sur la terrasse. Nickel. Bon mais mec tu verrais le champ que je suis en train de faire, t'inquiète pas qu'en réalité le ballot il reste en haut. T'es coincé, coincé. Sérieux? Attends, je viens de pousser le côté. Hop là, donc du coup on relâche le ballot. On a perdu un ballot sur la route, c'est pas grave. C'est... Merde, j'appuie sur I. Hop, magnifique presse hein, donc. On est toujours coincé, en fait c'est la remorque. De la mettre sur mon site mais vous pouvez la trouver sur la remorque qui est coincé. Ouais. Vous avez juste à regarder dans la vidéo comment ça s'écrit et vous pouvez la trouver facilement sur GameSmod. Bon c'est toi qui est coincé. Oh, putain ah, là, la va, montée, en fait. La cordière merde mon truc. Ah quoi. Ah mais que... ton champ est un peu plus plat pépin. Vas-y pousse derrière ou. Ouais. Il est. T'as pas vu comment moi ça monte? On a dû faire demi-tour. C'était des conneries aussi. Écoute pas ce que je dis. Non du tout. Ah donc on peut voir un compteur aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous en sortez pas? Si, si. Ouais là c'est bon, on s'en sort maintenant. On était coincé dans la boue. Ah. Oh non c'est moi qui suis coincé. Ah, mais pourquoi vous passez par l'entrée devant la ferme alors que vous pouvez passer? Parce que je voulais pas passer par là mais il m'écoute pas. Mais ah, non bravo, j'étais déjà lancé bravo. Sur la route. Bravo. Et en fait on décharge. Ah là j'ai peur d'où elle va se barrer la botte. Là je sens le plouf dans l'eau direct, instant. Allez, ah non, elle se rebarre pareil que l'autre. Bon tracteur il en chute trop là. Aïe. Hop ça. Donc c'est vrai que sur la map je voulais trouver un champ assez plat mais j'en ai pas trouvé du coup on a dû faire celui-là. Hop là voilà, impeccable. Il nous reste quoi? Il nous reste encore un andin à faire puis ce sera good. Pas les bottes, je les vois pas de loin dans le champ. Genre je suis au-dessus du champ, je vois pas les bottes que j'ai fait en bas. Bizarre ça. Ah, c'est le serveur qui fait. Ah ouais. C'est comme quand t'es à la ferme, t'es au bout de la ferme, t'as l'impression que t'as aucune botte dans l'hangar, mais en fait si. Ouais, c'est comme les palettes, des fois elles spawnaient. Ouais voilà. Ah j'ai vu que la vidéo valait, j'avais assez plu, par contre j'ai eu pas mal de dislikes, je ne sais pas pourquoi. Donc là on peut voir tout, on peut voir les balles qu'on a fait en session, les balles qu'on a fait au total. Le rope, je sais pas ce que ça veut dire. Et le nombre de bobines. Les rope, c'est la corde, la ficelle. Hop. Non, c'est refile.
Il nous reste 12 bobines de ficelle. Voilà, ouais. Alors c'est... Hop là. Ah non, ça doit être un truc de genre parce qu'il y a les ficelles et aussi il y a un autre truc. Vas-y, te barre pas, je t'en supplie, te barre pas. Reste là, ma jolie, ma jolie. Je pense que j'ai fait 7 bottes et je vais en faire une 8ème là donc. Ah, nice. Ah non, il fallait que tu restes là, voilà, impeccable. Non. Pick-up, il a failli se bloquer, mais il dort. Ton pick-up, comment tu fais quand il est bloqué, Pépi? Faut que tu descendes, non? Ouais, faut que tu descendes normalement. Hop, on recule et on lâche la petite bobotte. Pépi, t'es venu chercher le... Ouais, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez de garder la tâche aussi, elle est magnifique, franchement. Ils ont bien fait ça quand tu l'attaches, tu vois. Non, quand je... Ah non, ça reste comme ça. Vraiment, elle va super bien sur le tracteur parce que quand tu l'attaches, il y a vraiment... Enfin, c'est ta tâche là que tu utilises en réalité, quoi. Hop, on va aller, doucement parce qu'ici, il y a pas mal de... d'ondins, on va dire, enfin de... Beaucoup de paille dans l'onda. Donc là on a fait 8 bottes et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8ème je sais pas. Mais je sais pas du tout où elle est en fait. Mais d'une violence. Hop, on arrive. Je vais prendre le John Deere 8400. Oh non, te barre pas dans l'eau s'il te plaît. Bloque-toi, voilà. Bloque-toi, bloque-toi, bloque-toi. Nice. Des choses comme ça qu'on veut voir. Moi ce que je vais faire, je vais aller presser le champ de pépi. Par contre il y a une botte qui s'est mise en plein milieu, tu sais. Hop, voilà. Nice. Par contre la botte, je sais pas où elle est. Celle-là, elle va un peu m'énerver. Hein. J'aurais juste bien la dégager. Sans... autant, voilà. Allez, tire-toi. Mais elle va rester en plein milieu, tu sais. Voilà. Tac. C'est parti. Ah, ils sont 60 chevaux, je sais pas, mais genre ça reste un peu juste pour peut-être pour le tracteur, je sais pas. T'as tiré pour le moment combien de trémies? Une. Ouais, la première là. Ok, ouais, le champ a l'air beaucoup plus plat. Hein. Dommage que les ondas soient plats comme ça, il aurait dû faire des ondas un peu plus élevés. Hop. Hop, voilà, on recoule. Impeccable. Et on réavance. Du coup, c'est bon, il réavance. Vous en sortez au mode du déchargé là en fait? Ouais. Oui. Et Dylan il parle plus, il y a... Et je suis là. Il est là. Impeccable. Et je presse à 7 à l'heure, Pépi, j'avance moins vite que toi. Putain, j'ai pas envie de me taper la montée là. J'ai l'impression que le son du Nioland en vie interne, c'est comme le son du Maxom. Tu te souviens mon Maxom qui passait tout le temps en vite. Ouais, insupportable. Non, c'est stylé, franchement, ça fait un beau stylé, je crois. Ça fait déjà plus stylé que d'entendre toujours le même bruit. Ça change, mais... Faudrait ouais. Que ça change, en bien. C'est stylé. Moi, bah, je trouve c'est pas stylé parce que, enfin... Ouais, tu passes pas tout le temps les vitesses, mais je veux dire, quand t'es sur la route, je trouve ça rend un truc bien. Hop. Ah oui, mais mon ballon, il est pas fait. Hop, là, voilà. On va tourner là. Ah mais vu on pourra voir le combien de bottes on aura fait. Attends, on n'aura pas fait beaucoup mais ce sera déjà ça de rentrer. C'est quoi, c'est de la paille de toute façon. Ouais ouais. Et puis on ira faire du foin quand Dylan il aura fini le foin. Il faudra le lander et tout. Encore un petit peu. Voilà. Tac. T'as déjà fini Pépi. Mais... Oh ton bordel, dégage avec ça. T'as le truc à le fait. Mon... J'ai plus d'oreilles. C'est pour ça que j'ai enlevé le son du jeu parce que... Ah, laisse tomber, t'sais. Seul problème, c'est qu'encore le champ serait comme ça, il y aurait pas d'eau derrière, ça irait. Oh, putain. Oh voilà, moi j'ai fini ma journée. Hop.
Tout au calme, merci bien. T'as du colza à aller faire si tu veux. Quel champ? C'est... Je te l'ai dit tout à l'heure, mais je sais plus c'est. Merde. C'est le champ numéro 39-40. Oh, c'est tout au-dessus de la map, tu vas t'amuser. Oh là là. Non mais si tu veux rentre la moisson, de toute façon on va la vidéo va pas se terminer, donc rentre la moisson. Ok. Pas de problème. T'as les toutes crades, tu peux la laver aussi. Ah toutes crades, y'a que les pneus qui sont crades. Bon je la vois d'ici. Y'a que les pneus qui sont crades hein. Sérieux? Oh bah alors c'est... Ah ouais, ah ouais non t'as raison, ouais y'a que les pneus. Bah lave les pneus du coup. Allez. Ah la main sur le volant et tout, franchement le T6 c'est... Je dors ce T6. Je suis devenu fan. Allez, monte un petit peu dans les graves. Hop là. Bah du coup, je vois plus le ballon. Hop là. Il est fait. Impeccable. C'est bon, t'as pas bloqué cette fois. Et on normalement, non. La série à la recherche d'argent vous plaît tout le temps. Ça fait plaisir en tout cas. On va essayer de retourner bon. L'épisode de la semaine prochaine. Hop là. Tac, je vais reprendre ce standard là. Et puis on sera bon. Tac, pour le prochain épisode, ce qu'on fera, on dépendra peut-être du fumier parce qu'on aura fait peut-être du foin, on aura peut-être du fumier à faire. Je pense qu'il est de faire le dépendage du fumier avec mon petit T6 là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est une bonne idée. Mais pour ça, faut déjà nourrir tes vaches, on aura du fumier. Non, non, non. Déjà. Tu peux les... Vu qu'elles sont paillées, tu peux faire du fumier. Elles produisent pas plus de fumier quand. Si, mais. Faut aller, oui, mais de toute façon on aura du foin. Ouais, ah regarde, ouais, juste. Vois. Il nous manquera juste un peu de... Ouais, mais c'est pas grave, ouais, on fait pas spécialement un mélange total, tu vois. Ouais. Hop. Ouais, impeccable. Ça, cette presse, je suis devenu fan. Putain, elle est tellement belle. J'ai joué au modeur qui l'a fait en tout cas. Je pense que c'est un espagnol qui l'a fait, non? C'est un... Je sais pas, c'est un... Un italien. Un italien, un espagnol, ça... C'est pas la même chose. Un peu de choses près. Hop là. T'avais combien de bottes Ah ouais, là, t'en as. Et là, j'en ai fait 12 pour l'avoir. Combien? 12. Ok. Ouais, tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de rendement, du coup, là, je peux accélérer à fond. Oula. Hop, on appuie sur O. Bon bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un like, ça vous a plu. Je vais à la prochaine. Portez-vous bien, salut. 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 If you say that you are mine.